Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Camille Gastine et vous ? Ninel. Ninel ? C'est un joli prénom. Ninel, est-ce que vous aimez le jeu ? Oui ? Vous aimez l'argent ? Aussi. Vous aimez donc surtout l'argent, non ? Oui. C'est pas grave. Vous aimez donc les jeux d'argent ? Mm-hmm. Bien, nous allons donc faire un jeu d'argent. Avec de l'argent. Est-ce que vous voulez ces sous ? Je veux bien. Il va falloir les gagner, hein ? Attention. Mais c'est pour plus tard. On va faire le jeu du bonto avec trois pièces. Vous connaissez le jeu du bonto ? Non. Vous savez ce jeu avec trois cartes, une carte noire qu'il faut trouver parmi deux rouges ? Oui. Oui, vous connaissez, hein ? Regardez bien. Donc, il faut savoir combien il y a de pièces dans la boîte. C'est le jeu. Une pièce dans la boîte, deux pièces dans la boîte, trois pièces dans la boîte. Et comme c'est la première fois, on va jouer avec un faux billet. Pour de la fausse, comme on disait quand on avait 5 ans. Combien de pièces dans la boîte, donc ? Trois pièces. Vous connaissez le jeu ? Hein ? Parce que vous êtes forte quand même à ce jeu, hein ? Vous l'avez gagné. Il est pour vous. Mais maintenant, on va jouer plus sérieusement. Avec de la vraie monnaie. Regardez bien. Une pièce dans la boîte. Deux pièces dans la boîte. Et comme c'est plus sérieux, c'est plus dur. Une troisième pièce dans la poche. Combien dans la boîte ? Deux pièces. Deux pièces ? Oui. Ah, je crois que vous n'avez pas bien compris. Car il y a trois pièces dans la boîte. Vous avez donc perdu votre premier billet. C'est pas grave, on va le refaire. Une pièce, deux pièces, trois pièces dans la boîte. Combien de pièces dans la boîte ? Trois pièces. Il faut jouer, hein ? Trois pièces ? Trois pièces ? Je crois que vous n'avez pas bien compris, car il n'y a que deux pièces dans la boîte. C'est pas grave, il vous reste encore plein de chance, hein ? Enfin, plein, plus tant que ça, mais plein. Regardez bien. Une pièce dans la boîte. Une pièce dans la poche, combien dans la boîte ? Une pièce. Une pièce ? Une pièce ? Oui. Je crois que vous n'avez pas bien compris, car il y a deux pièces dans la boîte. C'est pas grave. On va simplifier les choses. Mais boîte. Une pièce, deux pièces. Combien de pièces dans la boîte ? Deux pièces. Une pièce. Je sais pas, comme vous voulez. Une pièce. Une pièce ? Oui. Mais je crois que vous n'avez toujours pas compris. Il y a deux pièces, c'est vous qui les avez mis. Mais c'est pas grave, il vous reste plus qu'une chance. Les deux pièces dans la boîte. La boîte sur la table, je n'ai rien dans les mains. Sauf peut-être un billet tout à l'heure. Combien de pièces dans la boîte ? Deux pièces. Je crois que vous n'avez pas bien compris. Car il n'y a qu'une pièce dans la boîte. Et vous avez perdu votre dernier billet ? Mais je suis bon joueur. Je vous laisse jouer votre dernier billet si vous le voulez. Vous voulez ? Bah oui. Bah oui. Vous avez peut-être tort. Cette dernière pièce, dans une autre poche. Combien dans la boîte ? Attention, c'est le dernier. Aucune. Aucune. Je crois que vous n'avez toujours pas compris. Car il reste une pièce dans la boîte. Et vous avez perdu votre dernier billet. Mais comme je suis bon joueur, vous partirez avec un gros souvenir. Tenez. Merci. Là, de rien.